Bonjour, aujourd'hui je vais faire un petit tuto sur le joint de silicone. Donc, il vous faut une pompe à silicone. Alors, c'est ma façon. Un joint de silicone. Donc, de préférence de prendre de l'anti-moisissure. Donc, ça se trouve dans toutes les grandes surfaces de bricolage. Moi, je prends du liquide vaisselle et vous allez comprendre pourquoi. Le récipient pour mélanger le liquide vaisselle et l'eau. Donc, dans un premier temps, on va couper la cartouche silicone. Alors, attention de ne pas se couper les doigts. Hop. On la met dans la cartouche. Voilà. Alors ici, on va faire une découpe à 45 degrés. Donc, pas trop large, pas trop longue. Voilà. Toute petite découpe. Et c'est parti. Donc on prend l'angle 45 degrés. Hop. Et on appuie doucement. Alors, avant de faire ça, je vais tout de suite faire mon mélange. Donc, on met un peu d'eau. Et beaucoup de produit vaisselle. Alors, le produit vaisselle, lui, va vous aider à lisser sans que le silicone colle sur vos doigts et va faire briller votre joint de silicone. Et c'est parti. Alors, prenez un appui très très fort. Voilà. Allez-y doucement sur la gâchette. Prenez un appui très très fort. Quand il y a un gros écart, remplissez. Voilà. Hop, désarmé. C'est quand alors vous mettez votre doigt dans votre mélange eau et liquide vaisselle. Une légère pression. Hop, on recommence quand on a bien lissé le joint. Alors, ce qui est bien avec ce produit, c'est que ça colle pas. Voilà, et après, n'hésitez pas à repasser sur le bord. Et voilà, vous avez un bon joint de silicone qui brille et qui est nickel.